du Rhône, 323 habitants, altitude 170 mètres, 80 km de Marseille, 53 km de Tarascon, gendarmerie et recette de 5e classe. Industrie, distillerie de la vente. C'est bien ainsi, en effet, bonjour messieurs, que le guide de Provence décrit Valorgue. Non seulement, si vous étiez là, vous verriez Valorgue, tout autrement, vous verriez Valorgue. Ce que le guide ne peut pas expliquer, c'est le brun de la colline, le mauve de la lavande, le blanc des maisons, le bleu du ciel, car aujourd'hui, il fait un beau soleil de Provence, de que soleil que facanta, et il est évident qu'aujourd'hui, on a envie de se promener dans cette forteresse qui a l'air d'avoir enfermé la joie de vivre. Seulement, la ville est déserte. Elle est déserte, pourquoi? Parce que tout le monde, les cigales dont je parlais y compris, sont descendus sur la route pour assister à l'arrivée du 19e Grand Prix Régional. Dans un instant, les coureurs vont arriver, tout le monde est là, tout Valorgue est là, tout le village, la municipalité est là au complet. D'ailleurs, je vais profiter du fait que monsieur le maire a bien voulu venir à côté de notre micro pour lui demander ses impressions sur cette journée qui, pour lui, je pense, est inoubliable. Oui. Moi... Non, il est évident que... Oui, c'est l'évidence même, et d'ailleurs tout le monde a parfaitement compris, n'est-ce pas, que l'organisation est absolument parfaite, n'est-ce pas? Tout le monde est là, tout content, bien entendu, vous êtes vous-même un peu ému, sans doute, monsieur le maire, mais je crois que la réussite de cette organisation, il faut bien le dire, sans faire de publicité, quoi, nous la devons au directeur régional de la marque, de la fameuse marque qui a fait la fortune du pays, c'est monsieur... Courtecuisse, Ah, monsieur... Noël Courtade dit Courtecuisse. Ah, oui. Bon. Mais, merci, monsieur. Mais dites-moi, monsieur le maire, la municipalité est au complet. Ben, où est Félicien? Ah, oui. Félicien! Oh, vous l'avez pas vu, Félicien?